Et salut à tous, c'est Off. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny. On continue tout simplement les missions, les aventures que l'on peut avoir sur Destiny 2. Aujourd'hui, directement Nezos. Et on va voir un petit peu Failsafe, cette IA un petit peu déjantée. En tout cas, j'espère que vous appréciez tout simplement votre grinding de Destiny 2. J'espère que vous tryhardez pas trop, hein, parce que bon, faut dormir. Tu vois, faut dormir un petit peu. Il paraît qu'il faut dormir. Il paraît, tu vois. Genre, bon, pareil. je te rassure. Hein. Le premier jour de Destiny, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. J'ai tryhard le jeu comme Jaja et j'ai complètement. J'ai fait 10h, 2h du mat. Et je me suis arrêté à 2h du mat parce que tout simplement ma console elle a surchauffé. Donc c'est pour t'expliquer un petit peu le délire. Tu vois le truc, tu vois. Et genre, je me suis dit, bon, bah, il faut aller peut-être dormir et manger, tu vois. Et ouais, on était sur un tryhard non-stop. Hein. Enfin, bref, on est parti. On va voir Failsafe, la fameuse IA un petit peu déjantée. Et voir ce qu'elle a à nous dire. Et voir un petit peu les missions qu'elle a à nous proposer. Puisque tout simplement, simplement, c'est la personne apparemment qui nous donne les missions ici. Alors que bon, j'aurais pensé qu'il y a quelqu'un d'autre, mais bon, ici non. Interagir. Allez, dis-moi ce que t'as à nous dire. Quel plaisir de vous revoir. Saviez-vous que j'ai écouté votre m'appelle capitaine maintenant. Ah, excellent. Alors, comment as-tu apprécié? Pulvérise. Mais non, elle a un problème. Il ne vous a pas pulvérisé du tout. C'est vous qui l'avez pulvérisé. Yeah, regarde. Bref. T'as vu, genre, elle change de couleur. Peut-être que ça change de couleur par rapport à son émotion. Disons pour quelques centaines d'années. Comment? Calme-toi. Failsafe vous félicite pour votre victoire sur Gol. Bien que la fête de la Légion Rouge ait été coupée, la guerre rouge fait toujours rage dans le système solaire. Eh ouais, faut éliminer les troupes. Vous n'avez rien demandé, je sais, mais après avoir passé tout ce temps toute seule, je n'aurais jamais cru avoir la chance d'ajouter une entrée. Entrée 63692. Nous arrivons à bien progresser pour nos tâches quotidiennes. Membre d'équipage actif, 3. Inactif, 15. Colon inactif, 585. Citation du jour, 585. Fin de la citation. Fin de la citation. Failsafe vous félicite pour les progrès importants que vous avez fait sur Nezos. Continuez vos aventures sur la planète pour gagner sa gratitude capitaine. Ainsi que des récompenses. Eh ben on va essayer. Comme vous le savez, je n'ai pas pu sauver mon équipage quand on s'est écrasé sur Nessos. Bah ouais, quand on n'a pas de corps, on peut pas faire grand chose. La plupart des passagers sont morts. Ça me perturbe en vrai, cette double personnalité. Mais je me demande si certains ont survécu. Parfois, j'ai l'impression d'entendre mon ancien capitaine via la radio. C'est pourtant très improbable, car il devrait être mort. Donc, vous pouvez vérifier ça pour moi? Bonjour, capitaine. Avant votre arrivée sur Nessos, ma priorité était de m'adapter au silence indifférent du vide spatial. Ok. J'avais quelques problèmes. Cependant, votre contribution m'a aidé à acquérir de nouveaux objectifs. L'augmentation sensible de mon efficacité montre que j'avais bien besoin d'un équipage. Même si je n'oublierai jamais mon premier équipage, vous êtes mon capitaine maintenant. Et je suis fière d'être votre Failsafe. Ça fait un petit peu peur quand même. Failsafe vous remercie pour le travail que vous avez accompli pour sécuriser Nezos. Cependant, d'autres défis vous attendent à l'horizon. Ouais. Elle fait quand même peur. Hein. On va prendre toutes les aventures. C'est un voilà. Très bon choix. Et boum. Let's go. À chaque endroit, on va faire ça, hein. Hop, 221, let's fucking go! Il est pas très joli le bas, mais... C'est cool. Ok, 221, bon. Ouais. Ouais! Ok. Ok, bah nice. Merci beaucoup, Failsafe. Ok. Donc apparemment, ça a débloqué les nouvelles activités qui sont... Voilà, disséminées un petit peu partout, très bien. Et la mission est juste là. Okay. Comme vous le dites, ça va, c'est juste à côté. Je suis très heureuse de pouvoir vous aider dans vos recherches. Pauvre Failsafe. Ça fait si longtemps que l'exode noir s'est écrasé ici. Je doute qu'on trouve quoi que ce soit.
Donc, je pense qu'il est un petit peu caput, le capitaine. Je détecte quelque chose à proximité. Oh, attends. C'est moi ou c'est un cadavre? Ouais, oh, le capitaine, il est pas très bien. Ça. Il y a un enregistrement vocal dans. Oh, mais laisse-moi tranquille, frère. De cette combinaison. Voilà, laisse-moi tranquille, toi aussi. Merde, oh. Ok, donc apparemment il a fait un SOS. Dommage, preuve de lui en vrai. Récupérer les données audio des membres d'équipage. 1 sur 4. Ah ouais, on est sur du 1 sur 4. Où sont le reste? Le problème c'est que si j'ai pas d'indication, ça va être très très dur. Hein. Ça va être très dur hein, si je n'ai pas d'indication. On va attendre que l'arrivée du truc arrive là, genre. Je sais pas, genre ça a l'air important. Ah, sa tenue. Archi stylé hein. D'accord, ok, donc c'est ça. Ah. Ah ouais, d'accord, bah... Moi, c'est pas mon but, hein. Par ici. Par ici. Ah, j'ai trouvé un truc. Ok, il fallait progresser, très bien. Ok, donc on avance, déjà on avance. Donc comment s'y rendre en hauteur? J'imagine, on va passer par là, ensuite par là. On s'assure le passage. Voilà, en plus on rappelle 25. Combien de lumière? 218. Un peu summer. Hop. Nickel. Oh merde. Neuvième jour. Nous manquons de presque tout. À court d'eau potable. Bon, pas très bien. Je vais désactiver le programme de restriction de l'IA de sécurité intégrée. Ils se sont fait exploser là, les autres. Ok, donc apparemment. Terminé. Je trouve des choses sur le passage, tu sais. Pourquoi installer des terminaux aussi loin de l'Exode Noir? Ça devait être un effort de la dernière chance de la part de l'équipage de Failsafe. Les pauvres. Pas sûr, mais je pense qu'il faudrait tout simplement avancer. Après, genre, par où, je ne sais pas. C'est ça le problème. Et j'ai envie d'aller dans cette grotte. Je sais que, quoi ça s'appelle, il y avait un endroit sur dans une des grottes qui comportait un, quoi ça s'appelle, un cosmonaute mort. C'était une aventure et peut-être que c'est une des raisons qui... Ok, donc ça me dit tout simplement de retourner dans le portail. Ah. Ok, bon. Bah... Sorry. Sorry. Fait que passer. Je sais pas, hein, tu vois, j'explore la zone. Hein. Chercher des indices qui est arrivé sur. Ouais. Oui, j'ai. On essaye. Ok, donc il faut aussi retourner là. Bon, bah, j'imagine, vu que je suis en train d'explorer quelle zone là. Ah. On va se rendre là. On peut pas. Ah merde.
Ah ouais, on est sur ce genre de bail. Je peux même pas me déplacer. Téléportation. Ah d'accord, ok, bon. J'imagine qu'il faut sortir de cette grotte parce que bon. Désolé les gars du dérangement. Je ne voulais pas embêter votre paisible sommeil. Je vous invite à vous rendormir de ce pas. Me laisser continuer mon aventure. Ok. Bon bah apparemment c'est pas par là. Je détecte un autre signal. Oh. Oh. Un bout de space machin. Ok, 3 sur 4. Donc, je sais pas où est le reste du capitaine. Il est peut-être sur le milieu, enfin le reste de l'équipe plutôt. Peut-être là-haut. Hein. Là-haut. Hein. Je sais pas, j'ai envie de venir ici, tu vois. Non, c'est une mauvaise idée, hein. Mais on va voir, de toute façon. On le saura dès que... Ok. C'est une mauvaise idée, ce n'est pas ici. Ça me dit de retourner sur mes pas, donc forcément, c'est... Bon, c'est compliqué, cette mission, quand même, hein. Ok. Donc, attends. Ici, il y avait un gars. Ici, il y a un gars... Il y a moyen que l'autre soit peut-être là-bas. Hein. Je sais pas moi. Que je suis allé sous terre, y avait... on pouvait pas. Enfin, il me disait retourne sur tes pas quoi. Je pense pas que ce soit là-bas. En plus, genre, j'ai détecté tout simplement le capitaine en étant dans les parages. Donc bon. On va essayer de délimiter la zone en allant ici, tu vois. Alors, est-ce que c'est par ici ou faut que je revienne sur mes pas? Ça, ça va être, c'est ça le seul moyen de savoir. Ok, je reviens sur mes pas, très bien. Bon, au moins, je sais que ça reste dans la zone autour de l'exode noir, donc ça, c'est l'avantage. Et maintenant savoir où c'est. On va tout cadrer hein. Quelque part par ici. Ok, c'est bon. Et toi, pas facile à te trouver toi. N'allez pas. Okay. Voyons si on peut trouver le relais satellite dont il parlait. Ok, bon. On avance. On a réussi à trouver les quatre membres d'équipage. Et apparemment le capitaine. Enfin, sa voix du moins. On va voir si on peut continuer par la suite. Allez, on est reparti. Bon, plus compliqué que prévu cette petite mission. Hein. Petite, m'a l'air plus grande que prévu, mais un peu compliqué, on va dire. Objectif mise à jour. Ok, c'est là-haut. Oh, m'ennuie pas trop, s'il te plaît, frère. Merci. Hop. Il y a un micro-ordinateur
Il essaie d'envoyer un message. Ce transmetteur ne fonctionne qu'à 13% de ses capacités. Je pourrais peut-être le réparer à distance. Une seconde. Et défense. On va défendre le point. On ne peut mourir. Hein. C'est le plus important, j'ai envie de dire. J'ai mon pistolet solaire donc ça passe encore. Allez, j'ai cru que j'allais perdre mon super avant de le tuer. Ce qui aurait été très chiant en fait. Pour l'instant ça va hein, franchement on est bien hein. Nice, on a réussi. On aurait dit un signal Vex à la fin. Selon ma base de données, les Vex utilisent ce bruit en guise de salutation ou de cri de guerre. Eh bien, peut-être que les Vex se souviennent de ce qui est advenu du capitaine, ou qu'ils savent où il est parti, il y a plusieurs siècles de cela. Ouais, donc au final, il faut attraper un Vex, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Éliminer les Vex pour récupérer. Ouais, voilà, c'est ça. Et il faut aller là-bas, d'accord. Données mémorielles, hop, on va vers la zone. Ah d'accord, ok, faut tuer la sentinelle, très bien. Ok, une sentinelle en moins. Ensuite, j'imagine que... Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Je croyais qu'il avait choc, mais non, ça va, je vais jouer à toi. Ok, hop, on va prendre le petit passereau. Là, ok, c'est un peu plus loin. On y va. On va récupérer le troisième souvenir et on va voir ce qui va se passer. Ok. Ah, il est juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est comme ennemi? Je ne le vois pas. Oui, d'accord. Agrégation. Nice! Les Vex semblent penser que le capitaine vient à notre rencontre. En ce moment même. What? Trouver le capitaine? Le capitaine, il est capote. Apparemment, ça fait des milliers d'années qu'elle est là. Fun safe. Ouais, je ne comprends plus. Non. C'est où? Regardez là-haut. Il y a quelque chose. Oubliez. Ce n'est qu'une harpie bizarre. Non, suivez cette harpie bizarre, s'il vous plaît. Souvenez-vous, le capitaine est censé venir à votre rencontre. Oui, mais ce n'est pas le capitaine.
Bon, peut-être qu'il nous a envoyé une escorte. Mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un faisant ami-ami avec les Vex. Capitaine Jacobson était extrêmement gentil avec n'importe quelle forme de vie robotique. What? Mais c'est quoi ce délire? What the fuck? Mais direct on retourne voir Failsafe? Non? Non, apparemment non. Ah. Something went wrong. Hop. Allez. What? Mais je veux trop en savoir plus là. Attends, apparemment le capitaine serait avec les Vex ou je sais pas quoi. What the fuck is going on, man? I'm manfucked, genre what the fuck quoi. Allez, commencer la quête. Capitaine, avez-vous trouvé le capitaine? Toujours aucun signe de lui, c'est lent ça. Il n'y a aucun problème. Tu veux la RP. Je ne suis pas du tout déçu. C'est pas comme si j'avais attendu ce moment pendant des siècles. Ah. Effectivement. Bizarrement, sa personnalité est genre plus critique, tu vois, sa double personnalité, l'autre là. Revoilà cette harpie. Elle semble sympathique. Peut-être qu'elle nous conduira jusqu'au capitaine. Et si c'est pas le cas, nous aurons une anecdote à raconter à Asher. Je te suis, hein. Ah, ok. Oh, t'oublies tout de suite, hein. J'aime pas du tout sur tes rochers. Hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. What? Capitaine Jacobson? Failsafe, ce n'est pas votre capitaine. Capitaine. Attends. Oui. Oui. Venez. Test. Nous testons. Attends, t'es en train de me dire que le capitaine a fusionné avec les Vex? Quelle est cette diablerie? Bien qu'il s'agirait d'un piège. Ah, un piège. Étonnant. Let's go, en grand brillant. Let's fucking go, ça fait plaisir. Je veux bien revenir dans ton piège quand tu veux. Bon, le piège, ça va encore. J'ai connu pire comme piège, tu vois. Ces harpies, elles sont pas gentilles. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le capitaine Jacobson? Capitaine Jacobson. Oui, oui. Venez. Partageons esprit. Partageant esprit. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Très étrange. Hein. Ça, super. Liaison. Donc j'imagine ça va spawn. C'est ça? J'imagine qu'il y a des méchants qui arrivent, c'est ça?
ça va. Pas trop ennuyant pour l'instant, les amis. C'est des petits vex, tu vois, genre. Tranquille. Pas de grosses menaces, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. 0 sur 4. Ah, d'accord, ok. Il y a 4 étapes. Vous pouvez pas dire qu'on ne vous a jamais rendu service. Pourquoi dirais-je ceci, cher Spectre ? D'accord, en fait, genre le truc, enfin les autres Vex, ils veulent détruire cette harpie. En fait, je pense que réellement, le capitaine a mis sa conscience dans l'harpie. J'ai con 0, hein. Je pense que c'est ça, hein. Littéralement. Un petit peu compliqué à gérer tout le monde là. En fait, c'est surtout que j'ai peur de qu'elle crève genre l'harpie là. Un petit peu la galère, hein, je vous cache pas. Surtout quand je vais plus avoir de munitions, là ça va être vraiment la galère. Hey, cette harpie est à nouveau en route. Nickel. Un petit jeton en plus de Nezos. Vraiment, alors à chaque fois que je dis Nezos, pour moi c'est Nezus. Genre, en anglais, je crois que c'est Nezus, en fait, c'est pour ça. Ok, let's go, baby. Ok, t'es parti où? Je dois remonter, là? Stabilisation, d'abord. Voilà. Ok. En fait, j'ai pas trop le choix. Vous m'entendez? C'est moi, votre failsafe. C'est vous, ma failsafe. Oui, j'ai ceci en mémoire. Vous êtes un bon système. Toujours serviable. Très bon système. C'est bien ce que je te dis. Êtes-vous... J'ai essayé de vous trouver sur mon radar chaque jour depuis que vous êtes parti. Je suis désolée de ne pas vous avoir trouvé. Je suis parti. Oui. Je te dis, il y a eu un transfert de mémoire, il est allé, genre, il a fusionné avec le... C'est quand même très étrange, hein. On va pas se cacher, genre... J'avais envie de tenter, mais je pense que c'est un risque un peu inutile, tu vois. La défaite. Oui, nous avons fait la défaite. Holy shit!
toujours les bons plans, ça, hein. Pas trop qui là, tout pas le simple. Voilà, pas d'ennemis. Easy shit. Alors, on a eu un petit casque. Voyons voir un petit peu de ce qu'il en est. 217, let's go. Et c'est tout. Ok. Je te suis, hein, vas-y, hein. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ceci est le dernier message du capitaine ouais, Jacobson. D'accord, ok. De l'Exode Noir. Nous espérions pouvoir toucher les étoiles, coloniser au-delà de notre système. Nous avons échoué. Je n'ai pas pu sauver mes colons. Je n'ai pas pu sauver mon équipage. Je n'ai même pas pu me sauver moi-même. C'est des risques. Hein. Se rapproche, je crois. Je crois qu'elles veulent m'étudier. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Donc tu voulais pas sauver ton équipage ? What, qu'est-ce que c'est que ça ? Mort ? Oui. Je suis vraiment désolé, Failsafe. Nous vous verrons bientôt. D'accord, donc en plus j'ai eu un truc en plus là. Parlez au Cryptax, cette arme est une relique de l'âge d'or, elle peut être plus importante qu'elle ne le semble. Raoul, le Cryptax saura peut-être nous fournir des réponses, très bien. Et nous avons obtenu le Drang, pistolet. Après la chute, ces pistolets ont été modifiés à plusieurs reprises pour augmenter la puissance de feu. On distingue encore une gravure partiellement effacée à Victor de la part de Seagram. Archi-classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a un style certain. Ok. Bon. Je suis juste là. Ok, on va retourner là. Capitaine, je suis incapable de ressentir du chagrin. Mais je pense en être assez proche. Ouais, parce que pas facile de perdre quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer des mondes hypothétiques dans lesquels ils auraient survécu. Merci de votre aide, capitaine. Cette expédition m'a donné de nombreuses informations à traiter. J'ai hâte de retravailler avec vous. Ok. Vous avez découvert ce qui est arrivé au capitaine de l'Exode Noir. Failsafe vous remercie infiniment. Et elle me donne pour petit équipement et un engrais. Ok, nickel. Attends, on va augmenter ça. On est presque assez pour avoir une meilleure... Pas de soucis, on va essayer. 221, let's go. Let's fucking go, franchement c'est pas mal hein. C'est pas mal hein. On a eu encore un petit truc parlé au Cryptarch là. C'est encore une autre chose hein, qu'il faut que je regarde. Mais en tout cas on a eu ces petits revolvers et c'est pas dégueu. Est-ce que au final est-ce que par contre elle parle beaucoup trop hein, ce raid hein. Safe, tu parles trop. T'es une IA mais t'es encore plus chante qu'une vraie femme. Oh, ça parle mal. Ça parle vraiment mal. Et donc au final c'est fini. Il n'y a plus de on me tire dessus là je crois. Ouais on me tire bien dessus. Donc il n'y a plus de quête de patrouille. Bon bah je pense que dans le prochain épisode Destination Yo hein, et on va tout simplement voir ce qu'il en est de cette dynastie hein, de cette fameuse dynastie. Ou bien on ira tout simplement sur je pense qu'on fera faire Yo et après on fera l'European Dead Zone. Enfin bref, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, enfin cet épisode, cette suite d'aventure, hein, vu que ce n'est plus dans le let's play, c'est juste de la
de la suite d'aventure de Destiny 2. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça me supporte énormément, ça me fait super plaisir. Hein. Et je me souviens un petit peu des têtes, quoi. Genre, mes Saiyans te le diront, tu vois. C'est aussi simple que ça. Sur ce, et aussi, active la petite cloche si tu veux voir les dernières vidéos ou tout simplement quand je fais un live. Et on se dit à la prochaine, à très vite.